even get in here? Do you see her? She's so short and that dress is so tacky. Who wears Cheetah? It's not even summer. Why does the DJ keep on playing Summertime Sadness? After you get out of the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. C'est l'Airflo pour l'épisode numéro 3 d'une survie Minecraft que j'avais un peu laissé de côté. Donc on va faire un peu le point sur ce que j'ai dans le coffre après avoir miné. Donc j'avais de quoi faire avec le charbon et le four. Je vais même placer les fours encore. Bon, on va les placer ici. Voilà. 32. Moitié, on va faire. Voilà, donc on a un stack et 20 de fer. En somme, c'est un mur pour commencer. Donc évidemment, on commence par... Enfin, pas d'ordre. Pistron. Ah, il me reste 4. Bot et enfin le casque. Voilà, bon, il nous reste largement assez de quoi faire... Un stuff. Alors donc ensuite on a ces deux sticks. On va faire on va commencer la base. Pioche important. On a déjà une en pierre mince. Une hache en fer. Puis une épée en fer, voilà. Histoire de commencer un peu. Un petit stuff. On pose donc tout ça. C'est parti, la nourriture. On va prendre ça, je sais pas si ça va être utile. On n'a pas de nourriture. Torche. Bof. En fait on va faire la maison. Je pense qu'on va la faire en. Comment on peut la faire? Ouais, je sais comment je vais la faire. Je vais la faire en grès. Je vais la faire ici, là, au milieu du lac. En fait, un espèce de temple en grès. Voilà. Petit cochon. On va faire des petits cochons. Pour commencer, donc... Voilà, programme de la journée à récolter un peu du grès. Pourquoi pas commencer à faire la maison. Donc je vois qu'on a plus beaucoup de barres de vie. Enfin, on a perdu la barre de vie. Donc, ici c'est un vieux marécage. Faudrait trouver du sable. Ouais, pas de grès ici. Bon, ça va être la nuit, alors on va tuer les mobs. Ouais, je pense que... Alors on va une table de craft là. Non. En fait, je vais pas faire ma maison en grès parce que j'ai pas réfléchi à ce qu'il y avait aux alentours, mais en fait, il y a rien aux alentours. Pour faire ma maison en grès, donc on va pas se compliquer la vie, on va faire une maison. Ouais, je vois à peu près en quoi on va le faire. On va faire cette couleur en planche de chêne, même si c'est pas forcément la couleur qu'on a le plus ici. Donc on va dormir histoire de faire passer la nuit. On dort sur le toit, normal. Voilà. Faire cuire ça, mince. Donc pour l'instant, on va récupérer du bois de chêne. Et là-bas, ça c'est du boulot. Ah, il y a du chêne, c'est bon. Donc voilà, on va
essayer de faire une vidéo normale de 20 minutes quoi. Alors, chaîne. Ça se coupe assez vite. Ouais, j'ai réussi. Tranquille, ça va. On prend un stack. Pour être sûr de plus et de... avoir besoin de revenir. Ok, 14 déjà c'est pas mal. Donc je prévois faire ma maison. Vous verrez bien un peu une forme en lot, une espèce de losange car à la fois en fait avec un étage. La maison sera plutôt carrée avec un étage en losange et les côtés avec le bois et enfin l'étage sera avec le bois et je pense. Et le rez-de-chaussée avec les planches pour pas tout mettre de la même couleur pour pas que ce soit trop pareil. Alors donc là on a fait la moitié, 32. En ce moment on n'a pas fait de survie ni rien. Je peux continuer ça parce qu'on faisait souvent des rushs ou d'autres jeux en hein. Serveur public PP. Donc voilà, on a plus plus joué à d'autres jeux quoi. Bon voilà, on va casser encore deux arbres, ça va suffire. Non, un seul. Parce que je me souviens qu'on avait un peu là-bas. Bon bah, on peut partir. 59, oui, on avait une dizaine là-bas. Donc c'est parti pour... on donne un peu de vie à cette vidéo là parce qu'on s'endort. Regardez, à couper les arbres. Alors, on va donc s'installer où? Bon, allez, ici. Hein. On s'en fiche, à côté de la grande maison. Pour pas avoir besoin de faire des grands allers-retours. Ok, donc on prend la moitié pour l'instant. La nourriture. On va finir ça. Les dimensions. Attends. Faut qu'on réfléchisse. Faut que ce soit un nombre impair. Donc on va faire 11. On va partir de là. Donc ça fait... Alors ça fait... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faut de la terre. Hein. On va mettre du sable, on s'en fiche. On va commencer. Et à côté, on va mettre du 7. Plutôt 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5.
Et après, normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, là, à côté. Il y a la feuille. Voilà. Donc, c'est bon, normalement. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était plutôt une maison qui ressemblait à quelque chose. Attends, on va voir, on va faire comme ça pour commencer. Alors, on va faire 2 3 de hauteur. Mince. On va pas faire comme ça. Ouais, deux, on commence par 2 et on fera la troisième couche après. Comme ça on pourra remonter. Ouais, il y aura pile assez de bois. Ah, c'est pas non. Il manque 2. Oh, on peut déjà commencer à trouver une troisième couche au pire. Du coup, le truc que j'ai fait, ça rien. Voilà. Ensuite, le bloc qu'on a là. On va se mettre dans ce nid là, on va faire. Ok, non, je sais ce que je vais faire. Là, si on continue comme ça, faudrait qu'il y ait... En fait, il faudrait que ça tombe au milieu de l'autre côté. Donc simplement, il faudrait que ça tombe là. Du coup, là, ça tombe là. On va faire ça. Peut-être être sûr de ça. 3, 4e île. Non, ça me trop. Et voilà. Et du coup, ça arrive là. Ouais, bon. On va voir.
C'est la nuit. Peu galérer là quand même à faire mon truc. Je sais pas du tout ce que ça a donné. Ça, j'ai tendu vraiment à l'improviste. Je sais pas du tout. Je me suis dit une idée, bam. On va faire une maison comme ça. On va appeler ça la maison carré losange. Parce que bon, c'est un peu bizarre. Parce que du coup là ça donne ça. Et là ça donne ça. Ouais. Du coup là, ensuite là ça donne ça. Ça. Ok. On va passer par là pour monter. Non, je te mets. Attends, largeur, on aurait dû agrandir la maison de 1, de 2 en fait. On aurait dû faire du 11 sur 9. Tac. La première fois, c'est un 5. Ah oui, bah du coup, oui. Voilà, et l'étage, en fait, il va être comme ça. Mince. Je ne suis pas très intelligent. Touk. Il va me falloir plus de... Donc voilà, donc le début de la maison carré losange, losange bizarre, mais un peu comme ça. Bon, voilà ce qu'on va faire pour cette fin de vidéo, parce que ça fait 15 minutes. On va pas passer une demi-heure à couper du bois une nouvelle fois, donc on va faire quelque chose d'utile. Qu'est-ce qu'on peut faire d'utile pour cette fin de vidéo? Pour faire les trucs, le sol par exemple, le sol. Et la porte, les trucs, les choses banales quoi. On va mettre des vitres aussi évidemment, on va faire cuire des vitres. Enfin, cuire. Faire fondre du sable pour faire des vitres. Est-ce que j'ai du sable d'ailleurs? 7. Moi j'aurais 16 vitres. On a une porte. On va faire une deuxième. Non, plutôt de ce côté. Ça, quand on entre, il y aura le coffre à droite, juste là à droite. Voilà. Ok, je vais me faire une pelle en fer maintenant, parce que on a pas envie de hopper en bois. Bon, tant pis. Pelle en bois, on va tout raser en dessous. Donc là du coup le sol, vu que c'est une maison en bois, on va la faire... Moi je vais tenter la pierre. Mais la cobble. Franchement pas le... Pas la roche. La pierre cassée. Alors ça peut être moche dit comme ça. C'est possible d'ailleurs, je vais tenter quelque chose. Bon, ça peut aller ensemble avec des vitres aussi. On verra bien. Par contre, bon, tant pis pour les portes, du coup. Donc voilà, alors,
ensemble. La pierre, on va voir ce que ça donne. En fait, finalement, quand on y pense, vu que j'ai fait cette maison avec les dimensions comme ça, la maison, c'est pas trop une dimension carré losange. En fait, c'est plutôt une dimension carré, rond, losange. On va appeler la maison chelou. Puis c'est une maison. Hein. Avec un étage totalement bizarre par rapport à ce que j'ai fait en rez-de-chaussée. Donc ouais, c'est le nom. Bah, c'est bien. Je pense que je vais mettre ça comme titre de vidéo. Ah, ça peut aller, ça donne un petit côté. Ouais, voilà, on va laisser ça. Bah, c'est fatigué. On met les portes. On a. Alors, oui, les vitres. Là, ça fait 20 minutes de vidéo. Je pense qu'on va poser les vitres. Merci. Alors, on va poser 16 vitres. Moi, je les mettrais bien tout autour. Vraiment tout autour, quoi. Histoire vraiment d'avoir du jour vraiment au fond. Par contre, j'aurais pas assez, donc je vais mettre... Il me reste 5. Ou même là. Oh non, évidemment. Évidemment. Bon bah voilà, on va rester là-dessus, je pense, pour cet épisode. On va se quitter donc sur... Un début de maison, une idée de maison, on va dire. La maison chouchou. Et on va sûrement un prochain épisode la terminer, déplacer un peu, faire le déménagement, quoi. Donc voilà, une vingtaine de minutes pour une vidéo finalement un peu pas très efficace, mais ça suffira pour l'épisode 3 de la série survie sur Minecraft. Allez, à bientôt.